peu ma réparation que j'ai fait. Et à mes réparations que j'ai fait, ça va être que je vais prendre la profondeur dans les mains. Et c'était malin. Alors j'ai pris la profondeur. Et puis j'ai ouvert le gagner, le gagner était avancé. Là, il se frappe. Il est malheureux. Il est malheureux, le finaliste. Et de ce côté, Alors, Stade Renard, faites du bruit. Stade Renard, faites du bruit. Le bandit. Stade Renard, faites du bruit. Sabrina, fais du bruit. Les deux équipes s'apprêtent déjà à aller recevoir le trophée. Et à l'instant, les vaincus qui devraient d'abord passer les premiers qui sont encore à la traite. Et on leur demande de se dépêcher. Dépêcher pour aller prendre leur médaille de finaliste de la Coupe du Cameroun de l'édition 2019. Finaliste de la Coupe du Cameroun 2019. Oublions d'abord un peu, c'est un protocole qui est établi en haut, allons-y. Comme je l'ai dit tantôt, je pense que c'est par deux erreurs individuelles et je pense qu'avec le temps, on va continuer à travailler la saison prochaine, partout où on sera pour pouvoir peut-être un jour remporter cette coupe. Tu as attendu, tu es déjà en retard là. Ils sont bien là-bas. Ils sont là-bas, là-bas. Il y a eu la panique entre les coéquipiers. Mais Dieu a bien voulu que ce truc entre à la maison. C'est qu'on a dit, c'est une espèce de bien, il y a de tout de suite. La force de l'équipe, c'est juste la conduite du coach et la solidarité qui a fait un déjà. La SFAP qui est déjà la tribune présidentielle qui s'apprête à aller recevoir ce débat. Pendant ce temps, voici Stade Renard, le vainqueur de la coupe qui est en train de monter. Lui aussi. Pour le moment, on remet d'abord le trophée au vainqueur de l'Ipod Fédération qui ont eu lieu pour cette fin de saison sportive.
dégager vers là. Sur le match. C'est le coach qui a conduit les filles à la Coupe d'Afrique, la Coupe du monde féminine en France, en même temps coach de la histoire. Qu'est-ce qui se passe là? Portez le stade au nord de Melon, ambiance avec.
Oui.